Bien, bonjour à tous. Alors j'en profite pour remercier aussi tous les membres du jury qui sont là et que je vais présenter tout à l'heure, parce que c'est un moment important pour les élèves, c'est le passage de l'école à la vie cruelle du cinéma, cruelle mais passionnante. Et merci encore de consacrer du temps pour faire ce jury. On va accueillir aujourd'hui Yves Angelo qui va présider ce jury. En premier lieu, j'ai trouvé que les scénarios, les idées de scénario étaient souvent très bonnes. Les idées de départ, le concept de départ était souvent, même si on a pu le dire et certains ont pu le regretter, l'ensemble n'était pas très drôle. 1 sur 8, c'est pas beaucoup. Mais je trouve que les idées de départ étaient bonnes, étaient intéressantes, étaient profondes parfois. Ce qui était moins intéressant et souvent moins fort, c'était la chute, c'était la fin, c'était la façon de finir, la façon de boucler la boucle d'une certaine façon. J'ai trouvé que la maîtrise d'ensemble, la maîtrise de mise en scène, les choix... la volonté, en tout cas, de filmer, c'est-à-dire l'envie de filmer. Elle était là. Il y avait la pensée et le ressenti. Parce que filmer, c'est souvent, on apprend toujours, hein, comme on apprend à parler, on dit la grammaire cinématographique, on sait comment filmer, comment raccorder un plan à un autre, etc. Mais le ressenti du filmage, c'est quelque chose qui est très particulier. Et ça... ça ne s'apprend pas en termes de théorie. On ressent ce qu'on filme. Et pour ressentir ce qu'on filme, il faut ressentir ce qui est à filmer. Et cet aller et retour entre la situation, les personnages, les acteurs et celui qui filme, quand je dis celui qui filme, ce n'est pas seulement l'opérateur, c'est la personne qui, donc la personne au sens large, qui organise tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre justement du, non pas du sens, mais du ressenti. Et ça, le cinéma aura toujours ce dilemme entre provoquer le sens et donner du ressenti. Souvent, on dit que la caméra, elle doit dépasser la description. Elle n'est pas là pour décrire, elle est là pour inscrire quelque chose. Et dans ce quelque chose, il y a le ressenti, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, dans l'ensemble, bravo à tous, parce que vous avez tous un très bon niveau. Je vais faire court parce que la meilleure, enfin pour nous, c'est qui, où il y a eu le meilleur choix de musique originale, qui est vraiment une musique qui collait bien à l'image aussi, voilà, c'était pour Monsieur Personne. On le remerciera, voilà. Je pense qu'il peut remercier tout le jury ici, il était très content de travailler là-dessus. Il a fait une école de musique de film, donc il a très envie aussi de travailler sur d'autres projets. Donc si vous avez des choses, n'hésitez pas à le contacter, ça le fera plaisir, voilà. C'est assez serré, on a beaucoup hésité, notamment entre deux films qui ont retenu notre attention parce qu'ils nous ont semblé très aboutis. Yann Dedé est parti, mais nous a laissé ses notes. Voilà. Donc, finalement, notre choix s'est porté sur Talion. Oh, Malik, je te parle. T'approches plus de mes gosses. Bravo. Donc voilà, le film qu'on a décidé pour lequel on a décidé de voter, c'est Talion.
fais plus. Laisse mon sac. Il était pour Jamel, ce fric. Il vient d'où? Je te l'ai dit 50 fois, on s'est cotisé. Arrête de me mentir, je dis que j'ai vu Malik. Tu me casses les couilles. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Donc, il y a un Pro Tools. Donc, un Pro Tools offert par Avid. Pour le mixeur, hein, faudra lui donner. Hein. Et prise de son et mixage, alors c'est un bouquin. Prise de son et mixage, tome 1 et 2. Voilà, offert par la société Dixit. Ça marche, merci. Et 200 euros. Et 200 euros. Bon, on a quand même adoré deux films, donc on n'a pas voulu trancher. On s'est dit, allez, ex aequo. Et donc ça va pour À bras le corps et Talion. Salut. Je peux m'asseoir ? Qu'est-ce que tu fous ici en fait? Je suis désolée. Asseyez-vous. Bah Ousmane, moi j'entends parler que de toi depuis la rentrée. Bah merci beaucoup. Vraiment, merci, parce que c'était pas gagné d'avance. Donc merci. Tiens. Non mais j'en ai ajouté, enfin merci. Au final c'est un film, j'avais le projet depuis plus d'un an. Donc c'est cool que ça se soit fait, je remercie aussi mon frère. C'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de le faire sur une mer. Et voilà. Merci. Et voilà. Et en fait c'est à Lyon qui est sorti. Et une petite note un peu personnelle, j'ai fait beaucoup de films en Afrique où confronté à la difficulté de filmer des peaux africaines. Et je trouve que là, dans ce film, c'est très astucieusement, enfin c'est joliment fait quoi. Et c'est pas souvent ces espèces de contre-jours qui font briller les peaux, etc. Là, on ressent vachement les couleurs, la tristesse à des moments, l'inquiétude. Voilà, c'est vraiment réussi et l'image s'intègre parfaitement à une histoire, un beau scénario, on l'a déjà dit, donc voilà, bravo. Alors je présente l'équipe, donc Zoé a fait assistante opératrice, Benjamin qui a fait le cadre et Xavier qui était machino. Je vais pas faire d'autres remerciements particuliers, je vais remercier Patrice Guillot qui nous a quand même appris à faire de la lumière et c'est cool, voilà. On n'a pas été très original, donc j'appelle Mehdi Amann pour son film Talion. Ben, merci. Ouais, j'avoue que je sais pas trop quoi dire, bah merci au jury. Et à l'équipe et à tous ceux qui ont soutenu le projet. Les votes ont été serrés entre deux films. Moi je pense que vous savez lesquels. Mais le meilleur film élu par le jury des anciens élèves est À bras le corps.
Merci beaucoup. Et cette fois-ci, je voudrais remercier vraiment l'équipe qui a été avec moi parce que ça a été très compliqué un petit peu. Les décors, tout ça, c'était... Quoi ? Un peu. Parce que trouver l'hôpital, ça n'a pas été la chose la plus facile à faire. Donc merci beaucoup à tous. C'est grâce à vous que c'est comme ça. Voilà. Merci. Bon, in fine, on s'est entendu pour donner le prix à bras-le-corps. Alors. Il est où ? Il devrait être là, ouais. Il devrait être dans une putain de chaise roulante comme un con. Mort. Il devrait pas être chez lui, avoir la belle vie comme ça. Et s'il était là ? Tu lui dirais quoi ? Je te jure. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Voilà, alors moi j'ai choisi Talion pour... On n'est pas déjà venu ici ? Avec Jamel ? Ouais, à l'ancienne. Vois, t'es beau quand tu souris. Qui a plus grand chose à dire. Plein de trucs. Ouais. Ouais, on verra pas encore. Bah, merci à toute l'équipe, merci à mon frère qui a été là du début à la fin, merci à Jean-Jacques Geoffrey et Jean-Jacques Cagne qui sont pas là et qui m'ont soutenu pendant le projet. Et bien joué aux autres films aussi parce qu'il y en avait des tops. Et voilà.